Il y a effectivement une deuxième vague qui est beaucoup moins importante que la première. C'est pas une vague submersible, mais évidemment elle est importante et elle a attiré depuis le début du mois d'août notre attention, puisque nous savons que nous sommes dans une situation très différente par rapport au printemps, où là, nous avons maintenant à la fois nos capacités de traitement permanent occupées par nos patients, je dirais, non Covid, et puis les capacités à préserver pour les patients Covid. Donc, notre souci, c'est de maintenir en permanence une capacité de traitement pour tous les patients, Covid et non Covid de Marseille.